Que chacun d'entre nous a réduit un petit peu les tensions, puisque il y a un an encore, je veux dire que toutes les personnes manifestaient beaucoup, beaucoup de tensions dans la nuque, dans les épaules, dans les avant-bras, et bizarrement, plus personne n'en parle. Donc, si on n'en parle pas, c'est qu'il n'y a plus de problème. Autrement, on en parle. Et là, ça ne figure plus dans les discussions. Donc, ça veut dire que ces douleurs sont peut-être encore un peu là, on en a tous toujours, mais par rapport à ce que ça a pu être, il y a une régression, une diminution énorme de toutes ces tensions musculaires. Sur la plainte verbale, sur la plainte verbale, là c'est sûr, on n'en entend plus parler. Et puis nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui masse les pieds de nos patients, et régulièrement cette personne est obligée d'aller masser les nuques et les épaules des assistantes entre deux interventions. Je ne la vois quasiment plus jamais le faire. Donc c'est que ça a régressé véritablement grâce à la modification de tous nos gestes de travail et de nos habitudes de travail. Il me semble que chaque personne a fait un travail de positionnement avec la posture, parce que c'était le but, sachant que nous nous reprenons mutuellement les uns les autres, parce qu'on oublie vite. J'en ai eu l'exemple tout à l'heure où j'étais en retard, j'avais une urgence, et je me suis remis dans mes anciennes postures, et je m'en suis même pas rendu compte. Alors que souvent, quand je travaille, je me sens revenir dans les anciennes postures, et je fais un travail de remise en place par rapport à tout ce que nous avons pu apprendre sur ces postures-là. Et chacun, on s'aide mutuellement les uns les autres. Parce que c'est important, on ne se voit pas toujours soi-même. Et le fait de voir son assistante ou de voir les autres praticiens travailler et de pouvoir leur dire tiens, regarde ta tête, regarde ta nuque, regarde tes épaules, regarde tes mains, ça nous aide à progresser mutuellement.